Bobigny, c'est une victoire rondement bien menée, hein, même si à la fin, petite frayeur, Montpellier revient bien. Ben, je pense que ça nous tenait à cœur de gagner ce match, parce que le match aller, on perd d'un but. On commence le match justement pas du tout comme aujourd'hui. On fait une entame de match assez pourrie. Ça nous tenait à cœur de vraiment bien commencer le match pour les mettre au fond d'entrée. Si on commence à tomber dans ce qu'ils savent faire eux, c'est un peu le même style de jeu que Strasbourg, c'est-à-dire une espèce de faux rythme, on peut tomber dans le piège. Mais on a su le gérer aujourd'hui. En tout cas, au classement, c'est une belle opération comptable. Ça vous permet de consolider votre troisième place, de reléguer un petit peu plus derrière Montpellier. Oui, exactement. Donc, on s'approche de Marseille. Donc, voilà, la semaine prochaine, ça va être un gros match aussi. Il faut le gagner si on veut espérer être dans les deux premiers. Oui, voilà, c'est ça. La lutte pour le top 4 est compliquée. Il y a beaucoup d'équipes. C'est très, on est très rapprochés au niveau des points. Mais après, voilà, notre objectif, nous, c'est finir dans les deux premiers, quoi qu'il arrive, pour pouvoir éviter le match de barrage. Donc voilà, on est bien, on continue, on a Strasbourg la semaine prochaine, ça va être encore un palier au-dessus, encore plus compliqué. Mais voilà, on est confiant, on engrange les victoires et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas la semaine prochaine. Quoi. Alors pour revenir sur ce match, deux belles périodes, hein, 9-2 à un moment donné, gros écart. Puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, Montpellier est un peu revenu dans la partie. Ouais, exactement, on fait comme avec Marseille, on a très bien démarré. Avec Marseille, on a su continuer, remettre du rythme en troisième période et en quatrième. Là, on n'a pas réussi à le faire. On n'a pas réussi, on a du mal. On a en troisième, ils nous reviennent à 4 buts. C'est compliqué, on doit tuer le match là, dans cette troisième période. Donc on se met un peu en danger et on flippe un peu à la fin, et alors qu'il n'y avait pas de raison de flipper, quoi. On aurait dû tuer direct, quoi.